À chaque déjeuner, Robert mange la même chose que les autres résidents. Mais tous ses plats sont préparés pour qu'elle puisse les manger avec ses doigts. Elle n'arrive plus à se servir d'une fourchette. Voilà, là il en reste deux. Depuis qu'elle est en mangemain, ça se passe super bien. On n'est vraiment plus besoin d'être à côté d'elle pour lui donner nous-mêmes à manger. Et ça se passe très bien. Alors c'est concombre à la nette, un rôti de veau aux frites avec un jus de cuisson et une tarte aux poires. Tous les matins, ce chef cuisinier adapte le menu pour les 6 personnes concernées par ce qu'on appelle le mangemain ou le finger food. Le dessert en mangemain, qui est une tarte aux poires. Donc on a la poire qui est dessous. De l'entrée au dessert, tous les plats sont d'abord mixés, puis mélangés à un gélifiant naturel. Grâce au mangemain, certains réussissent à reprendre du poids. On a remarqué effectivement des personnes qui étaient en courbe de poids, qui étaient descendantes, donc on se rapprochait de la dénutrition. Et cette solution au mangemain nous a permis de retrouver, de pouvoir pallier en fait ces difficultés-là. Ici, la technique du mangemain, c'est un acte thérapeutique. Pour cette résidente, c'est une première. À ses côtés, une soignante pour lui expliquer et surtout l'aider à accepter de manger avec ses doigts. Vous voulez que je me mette à manger avec les doigts? Non, quand même, comme ça. Mais très vite, la crainte du regard des autres disparaît pour laisser place au plaisir de partager un bon repas. Non, c'était très bon.